Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Je précise tout de suite, c'est du café, hein, c'était pas autre chose. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour une journée particulière car aujourd'hui, je vais pratiquer une pêche. On va m'initier à une pêche où je suis sûr à 100% de ne pas finir capot. C'est tout simplement une pêche au ramassage de déchets avec la Team River Clean. Là on est à une semaine de l'ouverture de la truite, donc forcément c'est un peu le moment d'aller nettoyer tout simplement les rivières. Donc aujourd'hui Tonton de chez donc le président de la Team River Clean sur Toulouse m'a donc convié à ce ramassage de déchets que je vais vous faire partager aujourd'hui pour nous donner du courage pour cette action et aussi surtout pour encourager la Team River Clean pour continuer toutes ces actions pour l'écologie. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on fait? La bombe de pouces bleus, on like, on partage, on commente, on s'abonne si ce n'est pas encore fait, on active la cloche de notification par la même occasion. Moi, je vais me mettre en caméra embarquée et on va se retrouver en pleine action. Allez, à de suite. Juste en introduction, donc la communauté de communes que je représente ce matin, j'en suis la directrice générale, voilà, donc Monsieur Favarel, vice-président en charge des rivières, et Alain Soulet, élu à la communauté de communes, mais aussi élu au syndicat Salette-Bolt, vous prie de les excuser de leur absence. En tout cas, on est ravis de vous accueillir, c'est la deuxième fois qu'on fait l'opération. Si la prochaine fois on réussit aussi bien l'augmentation, on tient plus là. La dernière fois on est peut-être 10, là vous voyez on n'est pas 10, donc c'est... Voilà, donc en tout cas une grande satisfaction de voir qu'il y a une forte mobilisation, y compris avec donc, le club de foot de Salis. Donc il y a plusieurs générations, sans vouloir vexer personne, on peut dire ça comme ça. Ouais. Voilà, donc écoutez, donc Gilles et Peggy vont sans doute vous expliquer comment va se passer la journée. On est ravis de vous accueillir. La météo est à peu près correcte, en tout cas il ne pleut pas. Voilà, même si on sait tous qu'il faudrait qu'il pleuve. Oui. Ah, on est d'accord, il faut qu'il pleuve, couché. Mais si c'est pas ce matin, c'est mieux quand même. Ouais. On prend ça, c'est une histoire. Donc voilà. Donc vous reviendrez ici pour manger, a priori. Hein, voilà. Offert par le syndicat. En tout cas, on était ravis, on est ravis de vous accueillir et on est déjà prêt à renouveler. Aussi souvent que nécessaire, malheureusement, on serait comme toujours ravis qu'il n'y ait pas besoin de renouveler parce que ça serait tout propre et pas... voilà. Mais malheureusement, on sait qu'on pourra déjà renouveler, donc voilà. C'est sans fin. C'est sans fin. Bah, peut-être qu'on peut espérer que les jeunes générations... après, la relève est assurée. On a lancé cette journée, on ne s'attendait pas à avoir autant de monde, donc c'est déjà une réussite. Donc après, il y a les partenaires historiques, on va dire, qui participent. Il y a la PPMA locale qui participe à chaque fois. Il y a l'association Team River Clean qui vient aussi en nombre. Et puis après, il y a tout un tas d'autres bénévoles qui sont là et qu'on connaît un petit peu moins. C'est vrai qu'on peut saluer aussi la présence de la jeunesse. Voilà, de la jeunesse et du club de foot. C'est quand même une belle réussite aussi d'avoir ces jeunes pour cette journée. Bon, ça y est, après un petit café, enfin deux petits cafés et un petit speech pour annoncer le déroulé de l'action. Voilà, j'ai récupéré des gants et on va se déplacer pour aller commencer la collecte des déchets. Allez, ça y est, on commence. Et là, j'ai déjà récupéré. Je suis déjà. Oh putain, lui. Boum. Regardez ce qu'on a déjà pu dénicher. Hop. Du fil. Bien. Là.
vous jure les potes, habillé comme ça, j'ai l'impression d'être un... on a l'impression d'être une armée de mignons en fait. Déjà ça c'est quelque chose qui n'ira pas à se bloquer. Les trucs pourront pas se bloquer dedans déjà. C'est déjà une bonne chose. Voilà. C'est, je disais, ça, c'est cool comme pêche, on finit jamais capot. Non. Ah. Voilà. Ah bah oui, là on va. Là. Là je vous le dis. Là je vous le dis, on va s'amuser. Ah là on a de quoi faire. Hein. Oh, y'a des lèvres ou quoi? Oh putain! Ta voiture! Oh putain, c'est cool! Oh là là! Mais t'as, il balance vraiment tout et n'importe quoi, hein, quoi. Ouais. Mais y'en a là aussi! Bah là, avec la pluie, c'est sûr que là, on est foutu. Ouais, oh putain! Oh là 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 là! Oh le bordel ici! Y'a un tapis et tout! Oh, ah, si, c'est bon. Là, c'est le premier camion. Premier camion de déchets. Ça fait combien de temps qu'on a commencé à travailler, tonton? Oh, ben, ça fait à peu près une bonne heure qu'on a ramassé, là. Et on n'a pas fini. On va continuer. Premier camion. Ouais. Satisfaction complète. Finaise, hein, pour ça. Ça en fait. On remercie ceux qui, quand même, qui nous aident à faire ça, parce que grâce à eux, il y a plein de déchets qu'ils mettent au bord de l'eau, voilà. Et ça nous permet de nous amuser aujourd'hui. Voilà, comme je dis, c'est la pêche 100% anti-capot, on n'est jamais bredouille. Jamais bredouille. Voilà, et si jamais vous avez le sac de la team River Clean, un petit sac, ça fait 8 litres de déchets, ramassez-les les garçons, ramassez-les les filles. C'est important pour la planète. Et surtout, ça, je parlais aussi pour les plus âgés d'entre nous, ceux qui ont la chance d'avoir des enfants. C'est de les sensibiliser. Là, on a des enfants avec nous, donc c'est très bien. Ça va être eux l'avenir. Ça va être eux l'avenir de la planète. Donc, sensibilisez vos enfants. Si vous en avez, les jeunes, tout ça, faites-les justement, voilà. Faites-les participer. C'est très important qu'ils soient sensibilisés. C'est un petit peu ce qui se passe déjà même au Québec. Tout ça, ils ont cette mentalité-là depuis voilà. Des générations. Tout à fait. Et ce qui fait qu'eux ont un pays vraiment relativement plus propre que nous, avec une densité de population, enfin, avec une superficie nettement plus importante. Voilà. Après, nous avons une école de football hein, qui, voilà. Qui est venue, toute une école de football. Donc, voilà. Vous ça. Voyez, les enfants sont là, sont présents et sont présents pour les ramassages. Et ils sont sensibilisés grâce à tous ces ramassages avec Team River Clean et les autres associations. Voilà, bon allez, on va continuer. Parce que franchement, il y a du taf là. Là, on a, et là, là je regarde, ça fait une heure qu'on est là, on a déjà fait un camion, on n'a même pas fait 100 mètres. Hein. Pour vous dire, on n'a même pas fait 100 mètres, regardez déjà tout ce qu'on a dégagé déjà. Allez, on continue. Allez, comment c'est beau aussi. Mais j'en profite. Voilà, pour scruter un peu quand même la rivière. Donc là, c'est la rivière du Salat. Elle est magnifique, cette rivière. Ça fait plaisir. Allez. On est plus par là. Du métal. Il y a vraiment un peu de tout. Hein. On y trouve de tout. Alors majoritairement quand même, là, pour le moment... Pour le moment, j'avoue que majoritairement, ce qu'on retrouve le plus, malheureusement, mais c'est du plastique. Donc on va dire concrètement, c'est ce qu'il y a vraiment de pire d'un point de vue pollution, mis à part les hydrocarbures. Mais les hydrocarbures, on ne peut pas les bouger, forcément. Mais en termes de pollution comme ça, voilà, ramassable, ça reste le pire. Le pire, c'est le plastique et malheureusement, c'est ce qu'il y a le plus avec les cordages, là, actuellement. On trouve aussi des portefeuilles, des sacs à main, des jantes de voiture. Et si vous saviez tout ce qu'on trouve, c'est juste effarant quoi en fait le délire. À moi.
Ah oh, oh là. Ouh, mais... Une bombe. C'est nos bulles, délire. Non. C'est quoi? On croyait que c'était un obus. Une bouteille d'acétylène. Oh, con, punaise. Elle date de l'époque, hein, 1960. Elle est datée. 1960. Punaise, mon Dieu. Alors, tu vois, 1960. Ouais. Putain. Mais... 1960, elle est presque aussi vieille que moi. Et c'est ouf, hein. Oh, elle est plus vieille que moi, même. Elle a... 1960, là, ouais. 1960. Elle est plus vieille que moi. Elle est plus jeune que moi. Voilà. Vous vous rendez compte ce qu'on trouve? 1960 la bouteille, enfin la bonbonne. Punaise. Et ça fait un moment, ah ouais, ouais, ça fait un moment qu'elle est, vu comment elle est piquée, elle doit être... Elle n'a pas bougé, elle n'est pas crevée, mais il reste du produit à l'intérieur. Ouais. Ça c'est fou. C'est vraiment fou le délire. Il y a de quoi faire. Je veux dire, même le jour où il n'y aura plus de poissons, eh ben, il y aura toujours encore du déchet à ramasser. Ah oui, tout le temps. Ça... C'est impérissable. Putain, t'imagines, hein, Patrick, on a vraiment pas de bol. Hein. On aurait pu récupérer la brouette en entier, ça nous aurait aidé quand même. Ah oui. Bien, dis-lui. Ça, j'ai dit, qu'est-ce qu'il fout là, le truc? Comment il est arrivé là, lui? Oh, con. Ah bah là, c'est la plus belle prise d'un point de vue poids, hein. Ouais, parce qu'elle cherchait une corde. Ah, ah bah, on s'est mis en 5. C'est mis en 5. Dis-toi, il était dans le sable, hein. Ah bah, c'est ce qu'il disait, pour l'enlever, il fallait y aller. C'est bon, vous faites. Ça marche. C'est pas pété. Alors là, c'est la plus belle prise de la matinée, là. Hein. Un magnifique pneu de... Camion. Poids lourd, ouais. Un pneu de camion là. Allez, ça y est, là on va charger le deuxième camion de la matinée. Allez hop, regardez un peu ça. Les pneus partiront demain. Je sais pas, on va mettre dans le sac à pain. Moi, je vous le dis, on trouve vraiment des merveilles. Hein. Celui qui aime un peu fouiller, farfouiller. D'ailleurs, j'arrête pas de penser à mon pote Kevin, qui lui adore la détection, tout ça, ramasser tout ça. Là, franchement, il serait aux anges, je pense. La prochaine fois, je le prendrai avec. Hop. Je fais un sac à métal, là. Hop, on descend vers le fond. Tonton, c'est le président, c'est El Presidente, donc, de la Team River Clean. Donc, si tu as envie de nous présenter rapidement, en quelques mots, un petit peu, voilà, quoi, l'histoire de la Team River Clean. Je pense que là, dans la vidéo, les gens ont compris le pourquoi, la nécessité de la Team River Clean. Oui. Entre autres. Alors, la Team River Clean a été créée en 2019 à Toulouse. Elle est composée de principalement deux pêcheurs et deux pêcheuses. Nous sommes basés dans toute la France et en Belgique, au Canada et dans les dom-toms. Notre but, c'est de ramasser les déchets au bord des rivières et dans les rivières. Donc pour cela, on utilise des bénévoles, des ambassadeurs dans tous les départements où l'on peut trouver des gens amoureux de la nature et de l'environnement. Et qui ont envie de s'impliquer aussi. Oui, tout à fait. Qui ont envie vraiment de s'impliquer et d'être proches de la pêche. On ne peut plus se permettre de pêcher sur des décharges publiques. Donc, c'est pour ça que l'association existe. Eh bien, c'est parfait. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir de partager ce moment. C'est vrai que, je veux dire, voilà... On va tous pêcher, on voit tous un petit peu au bord de l'eau, mais une fois qu'on met la main vraiment dans le cambouis, on voit encore plus qu'en fait ça se limite pas à quelques fils de nylon qui traînent ou quoi que ce soit, il y a beaucoup plus que ça. Là il y a des pneus, carrément un pneu de poids lourd, un pneu de semi-remorque, je sais même pas comment il est arrivé là lui. Récupérer une brouette. Une brouette, on a fait. Il y avait une jante, malheureusement celle-là, on n'a pas réussi à sortir, elle était sous la flotte. Il y a une voiture, une 404.
Les voitures. Après, une grosse bonbonne de 1960. Ah oui, la bonbonne de 1960, et avec encore le liquide à l'intérieur. Hein, vraiment, oui, oui. Il y avait encore du liquide à l'intérieur pour dire que comme quoi ça a bien conservé aussi. Et par contre, énormément, malheureusement, le truc le plus polluant qu'on puisse trouver, c'est le plastique. Le plastique. Et il y en a une, franchement, il y en avait vraiment une chier. Là c'est abusé, c'est abusé. Il y a même des choses qui sont carrément sous la terre, sous un mètre de terre, et en fait, qu'on peut tout simplement, malheureusement, pas réussir. Sinon, il faudrait une pelleteuse pour enlever toute la terre, réussir à enlever, enfin, c'est vraiment un chantier, comme je dis, voilà, on finira jamais, je pense que jusqu'à la fin des temps, on finira jamais. On finira jamais, c'est pour ça que bon, ben, la Team River Clean eh ben, continue son combat, eh ben, grâce à des gens comme toi, hein, merci rien, beaucoup, et puis et après, surtout, merci à tous nos bénévoles. Merci à tout le monde pour tout, pour tout, tout ce que vous faites pour l'environnement. Et on verra, je pense, on verra beaucoup plus souvent, même sans la caméra, mais beaucoup plus souvent au bord de l'eau avec Tonton, avec toute la team, parce qu'il y a du taf. Il y a du taf et voilà. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette action. Donc là, on arrive à la fin de la vidéo. Donc j'espère que vous avez, j'espère que vous avez apprécié, mais c'est jamais agréable de devoir voir en fait les gens ramasser des déchets, tout ça, c'est nécessaire, c'est quelque chose qui est nécessaire. Et franchement, au vu de l'ampleur de la tâche, vous avez vu, en une matinée déjà on a rempli 2 camions. C'est quand même assez violent, quoi, au niveau du travail. Et encore, il y a des choses qu'on regrette, qu'on n'a pas pu récupérer parce que c'est trop ancré dans la terre, trop ancré dans le sol. On n'arrivait pas à les retirer tellement ils étaient là depuis tellement longtemps. Les liens, vous retrouverez tous les liens de la Team River Clean dans la description de la vidéo. N'hésitez surtout pas, contactez-les. Enfin, comme je vous ai promis, on n'a pas fini capot, vous avez vu, en même pas une demi-heure, j'avais fait déjà un carnage. Si ça avait été si on avait eu autant sur les poissons, je peux vous jurer que ce serait Mekinenza. Voilà, c'est malheureux d'être le Mekinenza des déchets aussi. Hein, donc voilà. Alors, pour soutenir la Team River Clean, s'il vous plaît, et soutenir l'environnement un petit peu, beaucoup même. N'hésitez pas, likez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications. Et puis, je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous dis à la prochaine, la famille. Je vous kiffe. Mouah.